Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères sœurs, comment nous y espérons en forme, n'ap kembe. Jeudi, c'est lundi 4 novembre 2024. Nous comptons rentrer la caillou, n'ap continué porter information pour vous sur tout petit détail important qui domine l'actualité. Nous recevons nouvelle bride soukou, nouvelle mort Emmanuel Charles Mano. Tout le monde qui connaît sous canal là comme un garçon vaillant, yon moun qui pas mettre de l'eau dans bouchi pour le bail République Dominicaine pour le bail Abinader de trois vérités yo. Et Mano te même sanctionné et par la République Dominicaine parce que t'a bataille pour canal là, t'a bataille pour souveraineté alimentaire, t'a bataille pour nous kembe dignité nous comme peuple comme moun. Et bien nouvelle la mort Mano a li plonger Wanamet à Glonanger grand pile zanmi nan diaspora qui réagit. Gen pile cause k parler, gen pile parole qui dit et nous gagne quelques vidéos nous pral partager ensemble avec vous parce que nouvelle ça li choqué vraiment choqué la République. Entre-temps nous ça qui gen pour avec dossier politique pa bon ici. Gary Conny a conseil présidentiel transition. Chaque équipe sa yo, chaque joueur sa yo nan bo pa yo qui forme exécutif lan, yo pa suspend nan toke kon yo, yo pa suspend fè laisser frapper, yo pa suspend montrer force yo pou yo wè qui est qui gen plus pouvoir, qui est qui gen plus blanc de banan yo, qui est moun nan ki gen international lan kap supporter yo davantage que yon l'autre. Et bien fois ça Gary Conny pour la première fois depuis le escombrité scandale yo pété ak CPTA li bayon liste quantité problème quantité tête chargée li ak CPTA et je ti proverbe créole lan dil ça nan kayan mze koutok seulement konnen. Et bien Gary Conny li parle ak peyi nou pral konnen nan boti mamite ki sa problème yo ye entre primature ak CPTA. Yon lot bon nan dossier Mercedes Studebaker yo, Gary Conny li pale, li ale nan sens, et ministère justice ak sécurité publique, ministère justice ak alo circule, matin bonheur, yon sorti yon communiqué pou yon di ki sa, groupe Studebaker, même groupe sa Ariel Henry, te employé, te engagé pour te ka aider kembe pouvoir, pour te ka empêcher moun manifester, de pou pran la rue, se bal tête. Eh bien, ministère justice, bay tout détail qui sa groupe Studebaker a vin fè en Haïti, nan yon communiqué, yon publié. Nous genye ingénieur géologue Claude Prepti, qui parle matin, nous toujours parle de richesse, nous genye nan sous-sol nous, et richesse minière nous genye. Est-ce qu'on te connaît dans tous 10 départements pays, Haïti gagne capacité pour ta gagner yon usine, yon factory kap produit ciment en quantité pour retirer dépendance nous gagne jusqu'à 80% de République Dominicaine kap vend nous ciment, kap vend nous produits de construction? Ou pas te connaît? Ou pral gagne tout détail? Eh bien, journée jodi, gagne un accord qui signe entre République Dominicaine et États-Unis pour exploitation terreur, mais son pral tande yo la, yo extrêmement compliqué. Bah, yo compliqué net, et nous besoin ministre affaires étrangères, là, madame Dominique Dupuy, pour intervenir pour dire mon pal. Jean Bagay yo est là, comme pas gagné contrôle qu'a fait sur exploitation terreur dans Pédernal, eh bien, gagné gros possibilité pour Dominique ta même rentré sous sol haïtien, exploiter ça nous gagné comme ressource, comme richesse, à le vendre à l'autre pays. Nous pral gagné détail yo, ingénieur Claude Breptil parle. Nous pral konnen nan boti mamite ki sa detay yo. Deja mabdou bienvenue sou Tak 509 tout haïtien connecté nan émission Mon Éditorial avec Yannick et c'est toujours yon plaisir pour nous informer. Compatriotes haïtien frèchèm, hier nouvelle lan mort et Manoa, m pa kache di ou baiza, li sekwèm. Li sekwèm parce que m pa t'attend moi an kon nouvelle kon sa. Nou konnen et te gon moment Mano te malade, li te pran distance sou canal la, mais nous pas jam attend nous avec une nouvelle comme ça qui te ka atterri, une nouvelle comme ça qui te ka arrivé joindre nous côté que tu as pral di nous Mano mouri etc etc. N'a commencé émission, nous gagne deux vidéos extrêmement importantes pour nous partager avec vous. Deux vidéos ça yo, c'est deux vidéos Mano. Compatriotes haïtiens frères, m'pa konn comment m'ka expliquer nous ça, mais est-ce que
kon rive ou pour nou situation bien pour bon bagay ki pral rive ou et pour gete senti bon bagay ki pral rive ou. Soit yon semaine avant, soit yon jour avant, soit deux jours avant, soit quelques heures avant même ou senti bon bagay ki pral rive ou senti ou pa men moun nan encore. Est-ce que ça kon rive ou? Mano mouri hier dimanche c'est nouvelle l'an mois mano qui rive joine nous mais est-ce que mano te geta konnen te geta senti te geta soumel ta pral gon bagay ki ta pral rive mon vidéo extrêmement important n'a commencé émission avec lui et nous gon deuxième vidéo côté que mano côté il t'a attaqué directement ouvertement gouvernement dominicain hein? Pour te dénoncer en quoi qu'une chaîne complot terrible complot que gouvernement dominicain yo t'a monté sous dos peuple haïtien parce que moi sur réseau a gien pile bagaille k'ap di gien moun ki di c'est service et renseignement dominicain k'ap frappé gien moun ki di depuis c'est moun ki te sous canal là tout a passé etc etc tellement gien causé k'ap di et nan pays yo franchement. Malheureusement, nous n'avons pas de médecin légiste qui pour ta vie, pour ta faire autopsie et mano avant yo enterrer li etc. Mais nous avons besoin de ça, oui. Pour nous jouer dans la petite mamite qui cause la mort, mano, qui cause la mort citoyen. On nous a regardé ensemble avec moi. On nous a regardé déjà. On nous a regardé vidéo aussi là. Mais malade, moi, c'est papillon malade, dit comme ça. D'ailleurs, m'aller l'hôpital, m'aller m'fait yon m'ta kap di on bay ki gade tout organe nan kòm fè scan et que l'homme fait ça m'gade mwen on parle de check-up général m'pa gagne. Mais le mal l'hôpital, le mal en clinique la dîme, comment flé. M'fait chic, m'fait postate, m'fait ceci, m'fait cela. Tout malade. Et le m'fait check-up général là, m'pas gagné. On y a m'dit, ah, j'en bagay là et là, m'pas carré de comme ça. Mal joigne yon docteur demain. C'est monsieur fait médecine générale. Monsieur check him, monsieur garde him. Et puis monsieur dit, eh, ou pour une grosse frappe, oui. Frappe, ça prend là, pas n'importe qui frappe. C'est une grosse frappe mystique. Et puis, c'est là, monsieur dit comme ça que, ah, frappe ou prend là, c'est nèg qui gagne l'argent de jeto là. Et gagne plusieurs nan yo, c'est nèg qui gagne l'argent qui de jeto là. Gagne nan yo qui de job magistrat, qui oué yo papa magistrat. Mais gagne nan yo tout qui gagne pile l'argent qui lage pour tuyo. Bon, là, monsieur Dimza, bon, je connais le peuple qui est déjà au courant de tout ça qui a fait déjà. Je n'ai pas besoin de citer, non. Il y a déjà connu mon Dieu. Je n'ai pas besoin de dire que je ne dis tout simplement, le peuple a fait travail, il a fait travail, il a fait ça, il a fait. Je ne dis pas que je ne dis pas que je ne fais pas. Maintenant, mais, et par rapport à Jonté, vous sentez-vous mieux qu'on y a? Mieux. Et comme je dis, après deux jours, yo bam yon, comment m'da kap di ça? Yon lavement, on m'estime. On m'estime. M'prend deux, et puis yon se pou m'vomi sa ki sou l'estomac mwen yo. Et puis l'autre là, se pou m'debondare. Et mon cher, après ça, m'sentim normal, m'sentim, m'da kap di ou, comme si j'amte avant. Et après bon Dieu, et après médecin Feuille, mon cher, c'est Mounza ou Kmetim de. Voilà. Là, Mano tap décrit situation santé à l'hôpital et li fait check-up général, yo pa wel gen rien. Et puis là, l'on clinique, yo dit et que l'enflé, il fait postate, il gen toute qualité maladie. Mais Mano te gen, m'gen impression Mano te gen tan. Senti que bataille li ta fait sous canal là et tout le monde te connaît pendant toute période canal là bataille là Mano te proposition claire sous canal là te proposition claire sous frontière là frontière pas ka ouvrir oui c'est vrai gen moun ki gen gros intérêt économique en République Dominicaine qui t'a perdu comme pendant tout temps front et barrière frontière arrêté fermé hein
Eh bien, moun sa yo, très certainement que yo te ka toujou wèn Mano nan Emmanuel Charles en menace. Mais, Jean Mano parle là, Jean nous sotande là, que ce soit moun ki te gen intérêt politique, moun ki te gen intérêt économique, moun ki gen gros l'argent, eh bien, yo tout te cible Mano, yo te pren Mano pour quatre marqués, yo te pren pour une véritable menace. Pour qui ça? C'est pas ni volé, elle te volé. C'est pas ni na affaire moun ni te fourré douette. C'est pas ni affaire moun ni te volé. C'est pas ni kout lang te vers moun parce que t'a fait bataille pays. Li t'a fait bataille dignité. Li t'a fait bataille souveraineté. Et haïtien pareil li encore, yo te pren comme menace. Yo te wè nan li yon cible. Yon cible à abattre. Donc, ou n'y a là, ou besoin de chercher loin pour wè problème Haïti toujours. Ou besoin de chercher loin à li nan gros livre pour wè problème Haïti, c'est avant tout haïtien. Des fois moun nan bataille pour un bien-être collectif, li même c'est tête li loin comme particulier. C'est richesse li loin, c'est avantage li loin, c'est intérêt li loin. Le ça, ou a possible, ou a bon quatre marqué, c'est où y a éliminer, c'est où y a besoin éliminer. Emmanuel Charles Mano te gen tant senti que li était en danger, te gen tant senti li était menacé, te gen tant connait li était menacé. Mais nous pas de jambes mettre dans tête nous parce que après Mano t'es fin malade etc t'es rétabli ça pas gagné 15 jours non gros moun qui dit que yo wè Mano dans douane ou ana met là Mano en forme Mano bay belle la mais jambes jambes moun yo kon di a di garçon tellement il était en forme etc etc et pourtant il y a dimanche 3 novembre bride soukou nouvelle qui vient joindre Mano mouri. Bagay yo compliqué. Franchement, bagay yo compliqué. Mano te gon déclaration te fait sous canal lan. Et déclaration ça t'a pral la gon marché pressé la kay voisin. M'pa j'oublie après intervention Mano te fin faire. Gouvernement dominicain ministre te genye directeur la police ak tout ministre et affaires étrangères là à l'époque Roberto Alvarez yo chak nan bo pa yo te sorti communiqué pour yo te dit que République Dominicaine yo nié toute implication toute participation République Dominicaine nan voye zam ak bal en Haïti. Mwen impression déclaration ça yo te pran très au sérieux et journée jodi an là l'op gade sa kap passe en Haïti. L'op gade arrestation ki fèk sot fèt en République Dominicaine. Ki gen pouwe avec ou grade nan la police kap vende de particulier zam, ou ap dite tout, est-ce que Mano pat gen raison? Nèg yo au niveau du gouvernement et République Dominique ki tap essaye kase feuille kouvri sa, jounen jodi an la, est-ce que yo pa bay Mano raison? Nous pas bataille pour connait qui est-ce qui gain raison bien qui est-ce qui gain tort non Jean de dossier ça l'homme rien des séries de dossiers qui concerne sécurité nationale l'homme rien des séries de dossiers quand on a dénoncé un gouvernement sanguiné ou a dénoncé des séries de moun qui parent rien pour acte ou tout ça ou ta remet pour Haïti c'est pour Haïti instable c'est pour Haïti gain gang tout partout c'est pour Haïti craser. Eh bien, l'on fait des séries de déclarations pour mettre lumière sur ce qui a passé la caille qui concerne les pays. Moun sa yo tout yo ka pon comme une menace. Moun sa yo ka représente un cyberbat pour yo. Moun sa yo ka fè n'importe qui bagay. On nous garde ensemble avec moi. Yo vidéo côté Mano lui-même, li tape bay des détails sous complot sous plan que République Dominicaine que Abinader te gagne. On va suivre ensemble avec moi, vidéo aussi là. Toute frontière est pour contrebande fête dans le pays. Mais contrebande Abinader a battu pour cette fois, c'est contrebande ZAM. Abinader a battu pour que yo infiltre, fait infiltration dans toute frontière là pour ZAM passer. Et c'est là même que Abinader lui-même l'a battu pour capable. Et l'ouvri contrebande pour faire zam passer en bas pour alimenter terroristes en Haïti, pour alimenter gang en Haïti. Et Abinader, c'est un monde qui n'a tout trafic en Haïti ensemble avec Ben Bidjo. Abinader lui-même, Ben Bidjo, qui est un chef terroriste,
Et chef théoriste ça, lui-même, eh bien, c'est ensemble avec Abinader, la travail pour capable et vendre il là pour capable et vendre pays d'Haïti avec terroristes. Et Nagyo a travaillé de concert, ni Abinader avec Ben Bidjo, c'est Libanais avec Libanais qui vini cap mettre terroristes, cap alimenter terroristes pour capable venir et finir avec ce peuple haïtien. Donc, nous dit Abinader pour nous proposer. Proposer parce que terroristes pas qu'à venir dans la zone Borisia là. Et yo ta vini bien joint, bien contré, y a joint à dans grand yo. Abinader t'a prié pour toi. Mais pour ça, Abinader t'a prié. C'est juste pour nous pas te réaliser, faut qu'une chaîne projet ça. Oui, son goût, c'est un projet gouvernemental. Mais le peuple a chanté Abinader, crié pour de l'eau. Abinader, crié pour de l'eau. Eh bien, il y a des raisons. Eh bien, mais pour ça, Abinader t'a prié. Mais, gardez l'avion, gardez bel travail qu'a fait. Gardez bel travail qu'a fait. Mais je dis à qui est-ce qui va bénéficier? Eh bien, c'est le peuple haïtien qui va bénéficier. C'est petit à petit nous qui va bénéficier. Et je pense que travail ça, eh bien, même Abinader qui t'a crié pour de loi, eh bien, pral dit, ah, ils font bel travail. Faut que l'île a repensé le travail qui était mal fait et que nous, même aujourd'hui, nous faisons travail et nous bayons exemple d'unité. Côté peuple, nous fait tête ensemble, eh bien, nous défier l'État dominicain, nous fait ça, nous fait là. Alors, là, Manos, l'inauguration du canal ça. Vous pensez si Abinader l'a tabé tout le monde dans l'immigration? Bon, nous pas de problème avec lui. Au contraire, Abinader et ben nous avons l'autre chance encore. Abinader fait nous réveiller conscience patriotique nous. Abinader fait un paquet de bagages. Peut-être lui qui nous a pas rendre les comptes et il va garder conséquences salta faire qui ça qu'a venu contre lui. Donc journée aujourd'hui, je crois que l'éclair, et que il voit que il était dans erreur, il bail peuple dominicain un paquet menti, il bail peuple dominicain chaque jour la bail menti dit c'est dévier nous dévier de l'eau, le dominicain a regardé yo ouais pas gain question déviation qui fait dans de l'eau. Donc si pas gain déviation, eh bien gain mensonge. Et si gain mensonge, faut ta corriger mensonge yo. En plus que je n'ai pas qu'à corriger mon mensonge que le bayou, la tembe et persister dans l'erreur est diabolique. Donc, monsieur, dans ça qu'il t'a prend le peuple dominicain, bien, j'ai le peuple dominicain commencé à l'ouvrir. Et c'est ça qu'elle nous dit. Frontière l'enfermée, l'enfermée net, n'a pas négocié avec l'autre pays, mais pas avec Abinader. Abinader doit apprendre à respecter le monde, respecter Haïtien en tant que peuple. Nous sommes peuple souverain, nous sommes peuple qui a une dignité, nous sommes peuple qui a une fierté, tant que tout peuple qui est à travers le monde, nous voulons signaler ça clair pour nous dire que nous-mêmes haïtiens sommes peuple tant que tout peuple et que nous devons gagner nous et sacrer le respect. Et dans le respect mutuel, à quel que soit le monde, nous devons négocier et l'aide à négocier 50-50. Nous plein richesse. Nous plein bagaille pour nous négocier. Seul bagaille nous connaît, nous pas négocier avec voler, bon pillage, bagaille qui est les États-Unis, Canada, la France. Nous pas pral négocier avec moun sa yo, parce que genre de pillage sa yo, nous disons, et 220 années que yo gen depuis à tout petit peuple ça, eh bien nous disons, Abraham dit, c'est assez. Nous finis avec genre de moun sa yo, parce que yo pas jamais vin coloniser nous encore. Eh bien, genou, oui, yo tué président Jovenel. Yo calé genou, eh bien, genou li a prêté tout calé pour nous dire que pays ça pas pour vendre, pays ça pas pour Américain, il pas pour Canadien, il pas pour la France, c'est pays d'Haïti que zansèt nou yo te mouri qui était pour nous. Voilà. Là, nous t'attendons un message vibrant. Gros bout de ton message que Mano lui-même, li t'a partagé avec pays. Et ça qui dure, peut-être, Mano allait
bataille que t'as mené, bataille que t'as fait yo, li pa wè aboutissement yo. Li pa wè aboutissement yo, ça me parle dire li extrêmement important. Nous t'a bataille pour nous faire un canal, pour nous feeding canal là, pour nous inaugurer canal là. Et mon journée aujourd'hui en li mouri là. Et c'est dans j'ai l'impression c'est dans téléphone, c'est sur réseau à li wè et finalement li wè fin canal là. Li wè et finissement travail. Bon, est-ce que nous quand même parler de achèvement travail? Est-ce que travail yo fini véritablement? L'heure de l'eau passé, autant des problèmes gabion, etc. etc. Donc, canal là, il pas fini, il pas inauguré. M'sou, j'ai première rencontre moi avec Mano sur canal là. Mano, li te gen rêve pour l'oué et pour l'oué Haïti. Nan 3 6 mois, bo canal là, li produit paquet manger, nous rejoignent et autosuffisance alimentaire nous, souveraineté alimentaire nous, etc. etc. Li mouri le pa wèl. Parce que jounen jodi an la, c'est bataille qui gen à Côte d'Ivoire pour te bo canal là. Division qui gen dans comité canal là. Travail yo qui pas fini véritablement. Pour qui ça? Parce que tête ensemble ça, nous met commençons bagay jodi an bien, demain la fini mal parce que tout nous toujours quitton petit trou vide pour division, pour haine. Pour mener à l'évini, pour tripotaille, pour faire pour l'on dièse entrer, pour venir craser ça. Et je ne dis pas ça qui passe sur le canal là, moi-même, je dis non, moi-même, ça, moi, sur le canal là, c'est que, si le proverbe créole qui dit que toute façon, yo mange, yo kamea, j'ai l'impression que c'est ça qui est appliqué sur le canal là. Et vrai, oui, parce que, regardez, canal d'eau tombe sur le canal là, Milouz, Limouri, moun ki tap bay tout li même pour le canal là. Kounye a, ou gen Mano ki te kampe sou kanal lan, Mano tombe tout. Toi moun sa yo ki te gon batay yo ta fè sou kanal lan yo ale. Ou pense kounye a, moun sa yo, res moun yo ki de a yo même ki ta fon batay, ki te rentre tout longue nan batay kanal lan. Ou pense yo pral anik pot tèt yo ale sou kanal lan kon sa? Ou pense yo ou pral wè yo facile sou kanal lan pou res travay yo fini pou kanal sa ta inaugure? Ça veut dire, et comme si vous regardez là avec l'homme ou moun sa yo ka vini, c'est comme si vous son façon pour moun pas mettre pied sur canal là, pour peur canal là, pour prendre distance avec canal là, parce que canal ça, li gon malè pendye là dedans. Li gon malè pendye sous tête li. M'a regardé des séries de commentaires moun fè. Gen moun ki di, ah, tout bagay et cérémonie ou ta fait sur canal là, jounen jodi, mais bagay ça retourner derrière moun yo. Yon moun ki di, ou pa wè Dominique te vin avec Seyo mette en face et en face nous à cause toute cérémonie n'ta fè yo, c'est pour Dominique te ka bloquer tout ça n'ta fè yo pou yo retourner le derrière nous. Gen paquet bagay ka di, moi m'pa expert nan bagay sa, m'pa ka di nou. M'pa ka di nou est-ce que Saint Dominique c'est pour te bloquer cérémonie mystique nous te fè? M'pa ka di nou est-ce que cérémonie mystique nous te fè? Est-ce que porte qui l'ouvri yo pa fè mais c'est lik nan derrière nous et m'pa konnen. Est-ce que tout c'est haïtien qui a détruit propre haïtien pareil? Est-ce que ça gagne pour avec République Dominicaine? C'est autant de questions. Mais très certainement, dans pays sérieux, Milouz tombe comme ça, t'as bien autopsie qui fait. Et Mano tombe comme ça, t'as bien autopsie qui fait. Canaldo tombe comme ça, t'as bien autopsie qui fait pour qu'on ait cause la mort, c'est qui ça lié. Mais malheureusement, en Haïti, nous pas prêts pour nous connaître qui ça véritablement bagay l'enterre. Et franchement, c'est pas nouvelle ça nous te souhaiter, c'est pas nouvelle ça nous te espérer. Nous te espérons man nous t'a continuer faire bataille pays hein, qui t'a continuer camper pour dénoncer et ingérence pays voisin nous, pour dénoncer mauvaise pratique qui gagne en République Dominicaine, mais malheureusement, li traverser l'allée. Donc en pile courage à famille à proche qui affecté, qui endeuillé par situation. Et travail là pas camper, bataille là pas camper. Mano, li te gon flambeau nan men li que jeune ki nan wana metyo, moun ki conscient nan wana metyo que yo et prend flambeau à continuer travail là parce que route la longue en pile, travail yo en pile, même manke ponyette nan travail si la. Et nous gagnons dans question politique, dans question sécurité dans pays d'Haïti, nous gagnons et on communiqué qui sorti par bon côté ministère justice sécurité publique. Communiqué ça qui publié matin en bonheur. Ministre justice met color circule, yo t'a pral bay des détails sous question Studebaker groupe mercenaire qui dans pays. Et on nous lit ensemble avec moi qui ça qui dit dans communiqué à Port-au-Prince le 4 novembre 2024. Communiqué.
Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la présence des membres du Studebaker Group, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique porte à la connaissance de tous de la mise en œuvre d'un programme de formation et de mentorat en collaboration avec le Studebaker Group visant à renforcer la capacité de l'institution policière et policière à servir et protéger la communauté haïtienne de manière plus efficace. En effet, le Studebaker Group, entreprise de sécurité multinationale, dispense une formation tactique avancée destinée à des agents de la PNH dans le but de développer chez eux des compétences essentielles en conformité avec les normes internationales en matière de maintien de l'ordre. Ce partenariat est exclusivement axé sur le conseil et le mentorat, permettant un transfert de savoir-faire et une orientation stratégique. Ce programme de formation et de mentorat placé sous la supervision directe de la Direction générale de la PNH s'inscrit dans le cadre d'une approche collaborative et d'un engagement commun à rétablir la sécurité nationale et la sûreté publique. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de transition à assurer que les agents de l'ordre soient prêts à répondre aux besoins de sécurité de la population haïtienne avec professionnalisme. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique réaffirme sa détermination à œuvrer en vue de garantir la paix et la sécurité dans le pays. Voilà, c'est communiqué ça que ministère Justice eux-mêmes ont publié pour yo bailler des détails sous groupe Studebaker qui dans pays. Mais voilà qui est extrêmement important. Là, il a confirmé, ministère de justice confirmé présence Studebaker en Haïti. Avant même faire commentaire, yo gon vidéo extrêmement important, m'bra le faire nous tande un petit parti là-dedans. Et pas en pile, un petit cal. On nous tande ensemble avec mon déclaration Premier ministre Gary Conille. On a nous gon deuxième question qui est liée avec insécurité. Cette question ça c'est de Junior. PM CPT a convoqué ou parce que vous accusez que vous utilisez mercenaires pour combattre bandits. Qui ça un mercenaire? Mais ensuite, côté vérité, monsieur le Premier ministre. Par contre, Simon, qu'est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu? Mais comme question a tombé, nous avons pris. Nous voulons lire ou bien nous avons parlé de qu'est-ce que plutôt? Nous avons parlé de tout et de rien. Nous avons un mercenaire. Les mercenaires sont des gens qui nous ont comme. Et puis, il n'y a aucun intérêt idéologique, politique, dans le combat. Il prend un cob là pour le goumer, pour le tuer, pour le faire barrer. Garantie que je vais aujourd'hui pour me commencer. Pour me commencer, pour me répondre à une question directe, sans passer par bois. Pas gagner un mercenaire sous soldat Haïti. Ça pas existe. Pas gagner un mercenaire sous sol. Haïti, ça n'a pas existé. N'a pas retourné dans la gymnastique, dans l'exercice, n'a pas retourné là. Nous avons communiqué ça, matériel ministère de justice publié. Sous question Studebaker Group. Studebaker Group, là, c'est lui-même, yo assimilé, yo présenté comme groupe mercenaire qui n'a pays. Ya. C'est une compagnie et de sécurité multinationale qui, à travers le monde, là, qui a bail service de sécurité. Pour qui ça, yon considéré yon comme des mercenaires? Parce que c'est des séries de moun qui vini, qui pas gagne pour avec sécurité nationale paysan, qui vini pour un job. Mais Gary Conille, il explique mercenaire là, dans ce sens pas li, et m'pa gen problème avec Jean li essaye explique moun yon. Parce que mercenaire yon vraiment, l'on paye yon, pour yon vini pour un travail, yon pas gagne aucun appartenance, yon pas gagne aucune motivation idéologique politique. N'importe salte ya ou seulement paye yo vin fon job ou pran yo engage yo pou yo bon sécurité a bon sécurité ou engage yo pou yo mette bal nan des bandi pou ou, non bataille wap mené kote sécurité a vin fè pou parce que c'est pour so paye yo en gros son groupe moun ou paye pour bon yo service en retour kounya nan communiquer ça
Moi-même, vraiment pas comprendre ça qu'à l'océan que la baille là, parce que je pense que les gens plus intelligent que ça, mais moi, les gens, leur APC, ils défendent tête, eh bien, ils ont utilisé toute façon pour le faire, mais laissez mal à faire, bonjour, pas pour vous, bonjour, mon appui en bas. On nous commence avec ça qui dit dans le commencement. Face aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant la présence des membres du Studebaker Group, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique porte à la connaissance de tous de la mise en œuvre d'un programme de formation et de mentorat en collaboration avec le Studebaker Group. Nous dit face aux rumeurs. L'on dit ces rumeurs, c'est comme si son bagage mon a circulé et a circulé comme ça, yo la gon rumeur qui peut-être pas aucune vraisemblance là dans qui pas aucune vérité d'elle peut-être. Ah, et rumeur. Parole moun yo a fait etc. et puis en bas yo dit yo a informé pays a que gagne un programme formation et mentorat avec Studebaker. Même Studebaker ça, compagnie sécurité internationale ou bien multinationale ça. En 2023, yo te gagné contrat avec Ariel Henry. Yo te rentré dans pays ya. Yo t'ap sécurisé Ariel Henry. C'est même yo même yo te utilisé pour empêcher moun manifester, t'ap bay moun bal tête etc. Journée jodi a ou utilisé l. Mba konn si c'est parce que bagay la chaud nan menèg yo. OK? Comme Gary Conny te gèt envoyé vote, il te dit pas aucun mercenaire en Haïti. Donc yo ap cherché une façon pour yo pour yo faire jouet plan comme kounye a pas gen mercenaire. Et faut que yo confirme CPT parce que paquet millions qui débloqué pour payer Studebaker, faut nous justifier yo. Koun ya yo dou c'est pour yo vinn bay la police formation et programme mentorat etc. Nous comprenons? Nous comprenons oui quoi? Nous wè quoi oui? Nous wè quoi oui? OK. Donc là et pas de question rumeur encore, yo ba nou nouvelle là, yo confirmé le oui, Studebaker là, mais elle pas là comme mercenaire, yo pas là comme mercenaire, yo là comme formateur pour la police. Et puis point boule, mais comment nèg yo justifié dérive, mais comment nèg yo justifié mauvaise gestion, yo justifié toute l'obèr qui a passé au niveau de la primature avec Gary Conny. Compatriote haïtien frère Sam, n'avance. Premier ministre Gary Conny li te non ti parler non forum avec moun gen Scofio. Gary Conny li présente un paquet de problèmes ni gen avec conseil présidentiel transition. Problèmes sa yo ki sa yo ye, m'bra le permettre nous tande ensemble avec moi et comme ça n'a gagné tout détail yo nan men nou. Li gen paquet de problèmes avec CPTA. Donc problème yo multiple et si gen problème gen solution. Gary Conny li présente problème yo, même Gary Conny li présente solution yo. Donc nous pral tande garder ensemble avec moi qui sa premier ministre lui-même li tabaye comme détail. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines, nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous avons que poussé pour que nous avons des différents qui semblaient que nous pouvons pas réconcilier. Par contre, faut me dire nous tout que c'est pas toujours comme ça. Hein? Le nous fait criver, j'aime te dire tout à l'heure, une semaine nous mettons gouvernement. En quelques semaines, nous mettons sous pied et nous font révision budgétaire. Nous arrivons l'ouvrir à temps pour un budget 2024 là. Nous travaillons ensemble pour nous construire gouvernement, nous développer feuilles de route ensemble sur lesquelles nous mettons d'accord. Et CEP sorti, nous et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, collaboration est excessivement aisée et gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines, tout, les plus difficiles, et nous avons une équipe bagaille que nous avons réalisé. Et certainement, je voulais dire nous, que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours, certainement, je suis confiant que ça va certainement aller mieux. Semaine qui s'est passée là, je vais dire nous ça, je suis fait vraiment, toute semaine, je m'a fait rencontre avec le secteur qui est impliqué dans les transitions, qui était bail, représentant CPT. Nous faisons bon temps avec l'autre secteur société civile là pour qu'on comprenne et pour qu'on comment qu'on recentre les relations sur la base de l'esprit d'un accord qui est un accord historique. Mais nous songeons ça. C'est la première fois qu'un groupe parti politique qui en général est toujours là, entendu non seulement son conseil présidentiel, mais arrive à entendre son premier ministre qui n'est pas partisan et arrive à supporter un gouvernement. Et ça m'a dit, nous, je dis, bon temps m'a réfléchi sur ça après une rencontre moins faible. Moi, je pense que
si nous avons recentré les relations autour d'un certain point, nous avons de bonnes chances pour nous en finir. Premier bail là, définitivement, il faut que le Conseil présidentiel a publié l'accord 3 avril. L'accord 3 avril, là, c'est non, transition. Deuxième bail là, il faut que le Conseil présidentiel a ramené le secteur dans le dialogue là. Troisième bail là, c'est que je vais demander CPTA, il faut que le publier au CAG là. Au CAG là, c'est structure qui fait suivi, qui garde travail gouvernement avec travail président et qui assure transparence, assure performance. Au CAG là, son structure. C'est là encore 3 avril là, nous voulons demander le Conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là, nous avons demandé le Conseil présidentiel pour l'accélérer, mise en place. Conseil national de sécurité. Conseil, ça va permettre une plus grande participation dans la question de sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans le genre gérer sécurité. Cinquième bail qui est important, nous avons demandé le Conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement sous nomination directeur général. Nous avons demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit ce n'est pas le cas de communes, Kinskoff, mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionné dans la mairie. Nous avons des mairies qui n'ont pas quand même dépensé l'argent parce que nous avons des gens qui n'ont pas demandé encore. Nous avons proposé aux gens pour faire ça. C'est ce qu'ils ont choisi. Nous avons dit encore avancer sur la commune. Nous n'avons pas de délégué, pas de vice-délégué. Nous avons demandé pour avancer sur le choix. Ça permet de nous retrouver en harmonie. Mais très important, et ça, m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre, l'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des mouns qui suivent la situation politique là de près, l'autant des mouns qui perdent confiance dans l'État, nous demandons CPTA pour trancher une fois pour toutes, sous cas, trois membres CPT qui inculpent dans le cadre article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sous ça. Parce que la population voulait ou est clair, voulait qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça me tendait. Et je crois que si avec CPTA, nous arrivons à recentrer la conversation, nous avons retrouvé l'harmonie qui te permet de nous faire ça, nous fait durant ces 5 derniers mois. Mais plus important, monsieur la police, pour les policiers, je demande pour faire vite. Avec fonds spécial sécuritaire. Là, on met à la police là, pas qu'à attendre. Il y a besoin des moyens pour continuer à mener le combat ça. Donc, mes discussions, nous pouvons le faire. Une pensée que nos discussions transparentes, ouvertes, dans l'intérêt du pays, n'a pas avancé sur ça. Deuxième point, rapidement. C'était le remaniement, monsieur le Premier ministre. Et bon. Comment ça est? Il y a une question CPTA, notamment l'actuel président, Leslie Voltaire, qui parlait de remaniement, bon. Qui compréhension et position sur ça. Cette question est tombée, nous sommes au courant de lui. Ils ont invité nous pour nous discuter d'un remaniement de cabinet ministériel pour nous être capables d'avancer. Question là, ça lié son question bien simple. Nous pas contre remaniement du tout, au contraire. Mais nous avons une équipe principe que nous avons aimé qui respectait la situation. Je vais juste rappeler, nous, parce que c'est important pour Kinskoff, comment le gouvernement ça a monté. La Constitution dit que le Premier ministre choisit un gouvernement en consultation avec le président. Mais parce que moi-même, moi, j'ai besoin d'un gouvernement vite. Moi, rentré, moi, dis, moi, mon conseil présidentiel là, n'a pas 14 ministres choisi 10 là-dedans. Et donc, conseil présidentiel là choisi 10 sous 14 ministres. C'est comme ça que d'ailleurs, ils ont choisi des hommes et des femmes avec lesquels moi, très, très fier de travail, dont par exemple, ministre de l'Environnement, dont par exemple, ministre de Travaux publics, là, pas là que tu es supposé là, je dis, mais qu'en voyage. Maintenant, là, au fin, choisi 10 là, il y a 4. 4 saillons, nous mettons d'accord que 4 saillons tellement sensibles, nous pas qu'à quitter ou instrumentaliser politiquement, nous mettons des mondes qui sont neutres. Donc nous dit, ma proposons non, si le conseil présidentiel est d'accord, nous prenons. Si le conseil présidentiel n'est pas d'accord, ma proposons l'autre. Donc c'est ainsi que pour le ministre des Finances, nous choisissons un monde qui saute l'info monétaire, qui travaille à la Banque mondiale, qui a un profil international, qui a aidé ma partenaire technique et financier, nous proposons non, CPT dit oui, d'accord. Nous prenons. Et ainsi de suite pour les 4. Le but, c'était d'avoir l'un ministère SAIO des mondes qui ont une certaine neutralité. C'est ainsi tout que la décision a été prise qu'un ministère qui est sensible, comme le ministère de l'Intérieur, qui toujours instrumentalisé dans la période d'élection, je m'en dis moi-même, comme moi, j'ai une affiliation politique pour Mkembel. Et moi-même, je dis OK. Et moi, je dis que tout ce qui concerne magistrats, tout ce qui concerne
Azek Kazek, tout ce qui concerne délégué, vice-délégué, yo même entre yo, yo tap ka chita pou yo choisi côté gen dysfonctionnalité. Côté kap marché yo, kite yo marché. Côté gen problème yo, nous garder, nous identifier, nous changer. C'est ainsi que moi passé me présenter, on l'aide ba yo côté me dit s'il vous plaît choisi moun nous besoin pour collectivité pour nous faire travail là. En conclusion les amis, 80% gouvernement, c'est pas la même lié. Li la main CPT. Et c'est comme ça accord la TE, accord la sortie pour permettre participation au secteur, le processus du gouvernement, avec un orbit qui est neutre. Donc, vous comprenez que dans ce contexte, côté que 85% du gouvernement déjà l'en met, côté ça qui parle en yo l'en la neutralité, yo parle en Gary, puisque moi-même, je ne suis pas candidat à rien, je n'ai pas aucune ambition politique, il est très facile pour nous avancer. Maintenant, l'un nous tourne un et que CPT a pensé que y a une urgence pour nous remplacer Youn ou deux ministres en particulier, moi dis yo, faut respecter la constitution qui babaye président doit ça, faut respecter accord 3 avril là qui prévoit que faut que et secteur impliqué, qui prévoit que faut que au CAG là qui est même responsable de assurer permanence, l'homme considérer le fait que même le gain parlement pas convoquer un ministre après 6 mois alors que ministre seulement gain 4 mois, l'homme considérer que ministre pour gain 2 mois depuis au gain vrai budget yo. L'homme considère qu'un ministre qui entre dans le ministère ou joigne toute infrastructure qui est là déjà, ça prend un temps pour évaluer, ça prend un temps pour corriger, ça prend un temps pour faire ça. Nous dit conseil présidentiel là, on fait ça dans la transparence pour que nous n'ayons pas l'impression que chaque fois que le président vient, le ministre a tombé, le ministre a levé. On analyse la performance chaque ministre au cas par cas sur la base de performance pour avancer. Et donc, mes contextes dans lequel nous dit président, on fait OKAG là, nous avons une organisation société civile qui font excellente proposition de OKAG. C'est une organisation société civile qui gagne dans des monde Kankou, Edouard Prolt, qui gagne dans des monde Kankou, Dewash, qui chita ensemble et qui développe un concept d'OKAG qui, à mon avis, ban nous les garanties qu'il faut pour nous faire une évaluation concrète de chaque ministère et pour nous avancer sous lit très, très, très rapidement. Avec ça, nous ne pouvons pas croire que le ministre a choisi par X, il choisit par X, Y, et il crée un biais dans ce qu'il a fait là. Donc, mes côtés, nous sommes là, ça, je suis bien content quand même, nous avons l'opportunité de dire ça, je ne sais pas qu'on aime parler de ça aujourd'hui. Mais les amis, il y a un plus gros problème que nous avons comme gouvernement, c'est pour nous qu'il confiance population. Surtout une population qui est là, qui est habituée à recevoir un paquet de promesses non livrées. Ou deal et ou d'accord, je ne suis pas premier ministre qui recevoir. Le plus gros problème que comparé à plusieurs autres pays que nous visité, c'est qu'au gouvernement, ou bien des dirigeants qui fait promesse et pas réaliser promesse. Donc, crédibilité transition dépend du fait que l'homme dit nous bagaille moins fait dans la mesure de mes moyens. Et voilà, nous sommes tendés, Premier ministre Gary Conny, qui dit même qu'il a baillé tout détail dans le bon timamite, sous problème, véritable problème, il y a avec le conseil présidentiel transition, origine problème. Nan. Et si nous attendons des Premier ministre, on a pour et problème ça reprend naissance à partir de et principe que CPT a ta supposé respecter ou pas respecter etc etc comme quoi au CAG yo pas mettre campé et le pour yo faire changement et c'est sous base au CAG c'est sous base et c'est instance ça qui t'a supposé et faire changement yo au CAG yo pas mettre le campé déjà accord 3 avril là t'es prévoili et premier ministre remaniement ministériel là li contesté parce que majorité ministère yo nan men CPT jusqu'à 80% gouvernement nan men CPT a. Donc Gary Conny nous est son Gary Conny qui a parlé qui très confiant c'est comme si PM nan dit que tout baga fonctionner dans pays an, que problème nan c'est CPT a. Comme si lui même nan bo pal li pa gagner responsabilité pal comme si lui même nan bo pal li pa gagner travail pal que il t'a supposé faire. Comme si nèg yo prend pays pour un véritable savon, nèg yo prend pays pour un véritable jouet à pile, OK? Chaque moun nan bo pa yo gen responsabilité, yo pa fè li, yo pa prend responsabilité yo pa fè ça yo doit faire, yo a cherché un bouc émissaire, yo a cherché yon moun pou yo mette chay lan sou dol. Gary Conny indexé CPT, CPT indexé Gary Conny, ça a dit c'est ça qui pa vle gouvernement fonctionner, ça a dit c'est ça qui pa vle transition réussi, etc., etc. Au final, c'est qui est-ce qui a payé pour le casse-là? Au final, c'est qui est-ce qui n'a pas joué une satisfaction? C'est qui est-ce qui n'a pas joué un résultat? Population, peuple haïtien. Donc, nous comprenons que Gary Conny a plus envie
chercher un monde pour le bail pour chaille que gars il connaît que le ramasser que le mettre pantalon dans taille que assumer responsabilité pour gérer ça gien là comme crise pour gérer ça gien là comme situation moi même franchement et vraiment pas qu'à comprendre vraiment pas qu'à comprendre qui ça n'exagère le faire avec pays là. Yo a fait mercenaire rentrer dans pays a décaissé paquet millions pour yo payer alors que la police besoin bon gens matériel la police besoin bon gens outils yo pas arriver joindre policier yo et puis les 4 dans marée 14 yo dou moun sa yo c'est pour venir former policier c'est pour venir former policier c'est pour venir entraîner policier c'est pour venir faire mentor pour policier yo prend moun pour macaque yo prend moun pour égaré tout va bien avec le premier ministre. Gari koni maintenant tête li la vive non l'autre monde. Moi m'a demandé ça PM n'a boue al mettre déposer bouteille là parce que tête PM non ti genre PM n'a pas wè clair, PM n'a flou. Li mettre déposer bouteille là parce que tout ça sa di là pour moi yo gen vraisemblance yo. Parce que CPTA yo gen membre dans gouvernement même. Pi gari koni jou a moun. Pi gari koni prend moun pour égarer pour sototo parce que tout ministre dans gouvernement yo solidaire avec Gary Koni que yo solidaire avec CPTA. Le bataille pour révoquer ministre Dominique Dupuis, c'est même ministre mette, c'est même ministre président yo mette dans CPTA qui te dit yo pas siéger avec trois présidents braqué BNC yo. OK, c'est même yo même. Ça veut dire même moun président CPTA yo mette dans gouvernement Gary Koni là, yo désolidarisé avec CPE yo, yo rejoint Gary Koni yo solidaire, yo fait youn. Donc on y a pas vinn prendre ça comme prétexte, pas vinn râler ça, vinn mettre sous table, fait travail ou fait job ou. Nous go exécutif qui divisé, chaque équipe, chaque petit clan montre c'est yo plus bon, ça montre l'innocent, ça montre c'est ça pas bon, c'est ça maintenant etc. Et puis c'est une population qui est victime, c'est population y a touyé, y a kidnappé, y a fait courir quitter caillou, bonne bluffeur, bonne madame, bonne malin. Franchement, compatriotes haïtiens frères chame, nous gagnons nèg arab blanc qui parle. Arab blanc li pote un message pour pays hein. Et l'important pour nous aller garder tendre ensemble avec moi qui ça message là. Codevie ba et nos effets 40 millions de gouttes, c'est une façon pour récupérer terre qui fait jardin qui c'est jardin ouais bois calé à faire. Terre canal là yo dit pour Codevie. 40 millions de gouttes recevoir dans mercredi, jeudi. Et nos effets regarder, quel tellement chaud que tu relais bois calé, du condamné pour 8 ans. Nan jeudi qui était 31, li qui était relé, Boakale, li tende Boakale, li condamné pour 8 ans. Boakale était goumé avec yon moun. Moun nan, mande 250 000 goud. Diaspora remet 250 000 goud la pour Boakale. Moun nan déclaré, li désisté, li pa en affaire à Boakale encore. Tandis que, et nos effirés, bay Boakale 8 ans prison. Est-ce que tu fais Kadejak sous forme, mes amis? C'est l'homme de moun fait Kadejak sous forme. Yo fait 8 ans prison, 10 ans prison. Hein? Combien moun ni se retouye? C'est si vous t'aimez pas de saline dans le capote piquet, il t'a planté gren mari, gren poing en bas terre. Mais vous savez, c'est pas fait 8 ans prison, oui. Et nos Zéphirin, la famille Adoué Zéphirin, la famille Amos Zéphirin, moun sa ou fait payer en pile mal. Même Jovenel qui te mette à retouye Jovenel encore. Jovenel qui fait nous contre Mounsaou, équipe bandit légal, et Adoué Zéphirin. C'est même Adoué Zéphirin qui fait et nos Zéphirin dans le système de justice là. Je veux dire, c'est vandalisé, yo vandalisé justice là. Moi-même, arabe, moi prends courage, moi prends toute détermination pour me battre pour côté peuple là. Comme la République Dominicaine, de 11 prises sous l'hiver à sac, je dis à vous, t'en as un tir à pied à tomber, il a fermé toute prise par yoa pour en mettre qu'à inonder. Est-ce que nous avons tout complot? Il y a 11 prises, oui. Il y a tant de la pluie tombée. Avant, il y a tant de la pluie tombée. Nous faisons 5 prises dans la prise par et puis nous faisons de l'eau inondée. Et aussi, la prochaine la pluie qui vient pour tomber, il y a fermé toute prise par eux. Pour la pluie qui inonde, on la met. Pour tout, pour qui ça tout bagage ça? On tire prise nous prenons. Il y a 11 prises, nous prenons une seule prise. Mais peut-être si prise ça, je ne dis pas, nous avons sorti. Pour yon krasé, pour yon touye. Et puis c'est moun qui fait comité canal. Là nous, moun yon comme ça, mes amis. Moun yon kwa doléance. Pour Emmanuel Charles, qui c'est Mano Charles.
Nous connaissons tes points de détermination. Qui t'es campé pour te fermer barrière à la mer. Qui t'es campé pour te dire non à la discrimination dominicaine frère soit haïtien. Je dis à ces mêmes Manosa qui tombé trois jours après l'enterrement Minoui. Et nous avons continué à tomber. Nous étions bouche bée. Nous pas dit rien. Oh oui, c'est mystique, on mange l'eau, c'est malade, malade. Ok, pas de problème. N'a pas de tout le monde finit mourir, et puis quand on l'a crasé, tout le monde est fini. Mais grand dans la diaspora, dans Freddy, dans la neige là, il voyait pour le faire canal ça. Nous avons le canal ça crasé, nous même haïtiens, nous avons sorti dans cette année là. Nous avons jamais sorti dans cette année là. Parce que son deuxième indépendance, peut prendre la mettre là-bas nous. Son deuxième indépendance, mais ça va nous. L'en garde lui, nous, il est campé, il fait nous réussir ce canal là. Diaspora va nous, deuxième indépendance, c'est canal qui fait massacre. Je dis à toutes les vieux, c'est tant de la pierre tombée pour boucher tout le canal par là, pour inonder Wanamet. Mon Wanamet, tenez! Prenez note! Pour nous connaître vraiment Elmi, nous, c'est Abinader. Je dis à Enose Fien pour un dernier 40 millions de gouttes, il va garantir la crasse canal là. Il va garantir le canal là, pas qu'il doit faire 8 mois là encore, il doit écraser. C'est peut-être ça le bail. Bois Calais, 8 mois prison. Si Bois Calais, pas de prison, canal là, c'est difficile pour le craser. Depuis qu'on mette Bois Calais dans la prison, je dis qu'elle a crasé parce que si on le moins pile, elle a une popularité d'elle. C'est Bois Calais qui a mis ton soulèvement dans la mettre. Mais pour qui ça va arrêter Bois Calais? Je vais garder pour ma manie. Parlez! J'en peux camper. Alors parlez pour Bois Calais pour nous, non? Je fais manifestation avec nous sous jardin. Sous terre. Je dis à c'est même Bois Calais ça. Malouè Bois Calais, Bois Calais, Bois Calais. Les mouvés, même Bois Calais ça, c'est même ni même qui a couru prendre, qui a al jugel comme dernier criminel. Là, on vient pas Bois Calais, n'importe 10 bacs pour Bois Calais. Pour le peuple là-bas, pour Bois Calais, dans le même. Après, on courir à l'bouille dans la prison. Est-ce qu'il n'est pas accompagné avec l'avocat? Je ne sais pas, l'avocat va parler, on va attendre. L'avocat désiste, pas l'avocat. L'avocat désiste, l'avocat prend l'argent, désiste. L'avocat était désisté. Je veux dire, le peuple haïtien connaît qui est porté Bois Calais. Si Bois Calais est dans la prison, il faut que Eno, Zéphine est dans la prison, tout. Il met tête lui. Avec Capellan, Capellan Fernando, c'est un gros businessman, son gros propriétaire dans Wanamet. Qui met tête liée avec Codevi, Capellan Fernando, avec magistrat Opecha qui c'est Dodo. Yo trois ça. Yo met tête ensemble pour écraser le canal là. Canal là pendant intérêt. Yo. Je dis à moi même à demander nous haïtiens, on prend conscience. Vend division ça. Vend. Chier pute, ça va prendre rien. En inu nous, pour nous connaître ça qui est bon pour nous. Je veux dire, pas que les gens qui viennent nous parler de mercenaires. Nous tous connaissons 9 mercenaires dans le pays. C'est nous entrer dans le pays. Et qui ça, Gérard Gilles, pas mercenaire? Qui ça, Vertilé, pas mercenaire? Qui ça, Steve Smith Augustin, pas mercenaire? En toi, ça, c'est Albert Kézam, sous-directeur BNC, pas mercenaire. Et qui est mercenaire? Moi, je ne sais pas si je dis dans le live là. Je dis nous, mais c'est 3 voleurs, ça, les mercenaires, oui. 9 volets qui disent que le président là, c'est mercenaire. On a vu dire que c'est mercenaire, c'est mercenaire qui ça. Pas de 9 mercenaires déjà dans le pays. Tout le monde connaît depuis ce monde qui devait créer le président là et mercenaire lié. Je dis à ma demande, tout le monde, révolution, pas jamais fait dans la capitale. Il va commencer dans la capitale. C'est dans la ville provinciale. Bois Namet, lève capé. Faux liberté, lève capé. Tout département, les Iwa, lève capé. La Boto. Gonaïve, lève campé. Révolution va jamais commencer dans la capitale. C'est dans la ville provinciale. Portez boué. Fait que la semaine passée, je me suis dit, oui, je suis allé arrêter Jean Tel. Pour Jean Tel, j'ai dit que il a fait une conférence et arrêté. Moi, je dit Jean Tel ça. Sous c'est ça, on dit c'est ça. Sous passage à l'école. Parce que les Jean Tel a fait pause, il a parlé pour Guy Philippe, tandis qu'il y a pour président dans le coup de cassation. Ah, mais président, monsieur gagne un coup de cassation pour la mettre, il est venu chercher l'avant, il couille. Il est comme président, il est toujours, il campe avec M. Caleb, il va mettre président dans le coup de cassation. Ah, mais président, coup de cassation, il va le chercher. Bah, pour qui ça, il couille. Où est-ce que vous mettez président coup de cassation? Ah, bah, président, coup de cassation, il va le chercher. Ok, nous mettons tête à Guy Philippe, nous libérons le pays, nous notre pays en nouvelle indépendance. Nous préférons faire grimace, nous chaque monde n'a pas nous. Ah, mais c'est mon n'a pas ça qui marche sur nous. La police, nous devons nous. Non, c'est le président Jean Tel la tal chachel. Mais c'est le président de la Cour de cassation, il tal chachel. Je ne connais pas le président, monsieur, qui est dans la Cour de cassation à tout mettre Caleb, là, il tal chachel. Il y a division entre Jean Tel et Guy Philippe. On va division. Guy Philippe, c'est lui, le peuple a choisi. C'est ce que vous-même, vous êtes président de la Cour de cassation. Qui la cause des divisions? Ah, ben, Govin, il y a tout qui est folie, président.
Et puis peuple la même chose, un seul monde qui c'est Guy Philippe. Il n'y a pas d'autre bagaille, non? Peuple a choisi un seul monde. Gary Kodi pour Kabarel. Gang qui est le crime, président sérieux pour Kabarel. À travers BLTS qui est venu arrêter. Non, président pour les cassations, elle était venue. Ça, on n'a pas le métier. Elle était venue chercher Nègre. Nègre, il n'y a pas connaissé Père ou Père président. Comment vous comprenez ce DCPJ avec BLTS qui débat que vous n'avez pas arrêté? DCPJ. BLVV. Ah, mais depuis où ça n'a pas de drogue? Comment que vous débarquez à Chine dans l'espace? Ah, mais c'est Dile Drogue qui vient chercher Dile Drogue pareil. Je ne sais pas ce qu'on a. Dile Drogue vient chercher Dile Drogue pareil. Et si nèg a dit la bataille pour contre Guy Philippe, li met l'autre voix ou côté a dit oui pour la cour de cassation. Cour de cassation qui est ce nommé yo? Et bah Ariel, c'est Ariel qui est nommé pile gang yo. Pour nous d'accord. Qui voit ça qui bon côté là? On parle pile voix qui bon côté yo du secteur et c'est une. Ah, pas besoin c'était nous, moi on pas que voix yo. Depuis moi mon n'a fait pays a mal voix moi là. Et voilà, nous sommes tendés, nèg arab blanc qui lui-même li tap bay des détails sur plusieurs dossiers extrêmement sensibles et importants qui concernaient pays d'Haïti, qui concernaient peuple haïtien et surtout dans Waname, dans dossier canal. Mais nous gagnons un point important qui c'est dossier ressources minières en Haïti. Maintenant, nous gagnons Claude Prepti, ingénieur géologue Claude Prepti, qui c'est directeur bureau Minak Énergie en Haïti, qui tap bay des détails. Suite avec un accord États-Unis t'est passé avec République Dominicaine pour exploitation terreur. Terreur là c'est un ensemble de composés chimiques qui extrêmement rare. Leur dit terreur là, c'est pas parce que à proprement parler son terreur, yo pas ka joindre non. C'est composant terreur là qui est extrêmement difficile. Parce que son ensemble d'éléments chimiques qui ont utilisé dans la question fabrication d'armes modernes, ils ont entendu parler de armes nucléaires, ils ont utilisé terreur là-dedans. Pour question téléphone, ils ont utilisé terreur. Pour question appareil pour faire radiographie, sonographie, appareil pour imagerie, ça ont utilisé terreur. Ils ont utilisé dans un paquet de domaines. Et bien, tout près nous en la République Dominicaine, principalement dans Pédernal, et qui tout collé en sapit dans sud-est pays, et bien, il y a exploitation, terreur qu'a fait suite avec un contrat qui est passé entre Haïti et la République Dominicaine. Et bien, exploitation terreur, ça, li ka gagne gros conséquences sur la vie moun en Haïti, li ka gagne gros conséquences pour peuple haïtien, pour pays d'Haïti. Parce que, nan fouye cherché, mal jouen comme conséquence, par exemple, terreur là, de point de vue et médical, sous exposé avec matériel que yo a fait extraction terreur là pour yo joindre par exemple 5 kg terreur faut que yo casse yon tonne roche yo casse roche pour yo faire extraction pour yo faire raffinage etc. Eh bien composé chimique ça yo qui République Dominicaine a exploité dans Pédernal pour vendre aux États-Unis. Eh bien directeur bureau Minak Énergie dit tête li comme pas gagné aucun suivi que l'État haïtien fait, eh bien, il y a même possibilité pour Dominicain ta rentrer sous sol haïtien, venir faire exploitation, et puis pour vendre États-Unis. Ça, c'est une possibilité. Mais, comme conséquence, nous t'a parlé tout à l'heure, eh bien, sous exposé quoi avec radiation, avec produits chimiques utilisés pour raffiner terreur, etc., eh bien, il y a moun qui ka même fait maladie cancer ou ka fait problème respiratoire ou ka gen problème dans poumon femme enceinte ou ka gen problème et malformation le ti moun yo fait ti moun nan ka fait avec un sel gen en mitan et front li ka fait avec 3 poignets li ka fait avec 4 pieds li ka gen toute qualité problème nan sa ki gen pouwe avec malformation congénitale gen l'autre gen l'autre conséquence tant kou côté yo déverser de l'eau chimique yo déverser tout matériel chimique yo utilisé yo terre li ka exposé avec radiation on tek te ka faire manger le yo fait exploitation yo faire raffinage dans Pédernal si de l'eau ça li déverser sous territoire haïtien paysan te kon faire manger dans zone nan ça ka arrivé pas jambe produit manger terre pas jambe produit manger et si terre produit manger terre ça manger ça ka tout empoisonné. Pollution dans l'air là, problème environnemental, nous pas gè aucune autorité qui jamais dit nous rien, qui pas jamais dit nous rien, qui rete à garder le danger et puis Dominicain frappé. Et bien matin, nous gagnons géologue Claude Prepti qui lui-même lui t'a bailler des détails
M'bral permettre nous tendre dans bon petit mamit qui ça risqueoyer, qui ça risqueoyer pour pays d'Haïti, qui ça risqueoyer pour moun dans sud-est pays en Pédernal et dans Sapit tout près Pédernal et pour reste et département qui avoisine yo parce que pas oublier de l'eau ça si l'al déverser dans la mer et bien c'est tout moun qui ka arrivé affecté. Si l'al déverser par exemple dans rivière yo dans sous nous yo c'est tout le monde qui est exposé cap boire de l'eau ça qui risque contaminer perdu la vie yo nous connaît qui ça et qui ça santé publique là représenté en Haïti nous connaît qui gros danger qui gagne dans question santé publique nous pas gagne l'hôpital nous pas gagne centre de santé nous pas gagne assez médecins etc et puis pourtant des gros malheurs prendre ça qui exposé sous tête nous ministre de bois croisé premier ministre de bois croisé secrétaire de bois croisé you n'a pas gardé l'autre danger en sérieux. En sérieux. On nous tendez ensemble avec moi détail pour petit abaille sous un billet sous comment on te ka di ça. Sous un listing li fait de ressources naturelles nous gagnons dedans pays ya. Et qui ça Haïti ka bénéficier, qui ça nous pas ka bénéficier si nous continuer faire études, si nous continuer respecter les règles là etc., etc. Nous allons tendez ensemble ingénieur géologue Claude Preti. Dans la presse qui paraît Dominican Republic establishes state mining company, République dominicaine établit une compagnie minière d'État, c'est ça information révélée, et la compagnie ça pour exploiter et explorer vos sources stratégiques République dominicaine. C'est ça et information rapportée. Maintenant, dans l'area, il dit que compagnie ça, il y a pour lui superviser et faire management à Villa Mining Reserve, qui est dans la partie sud pédernale, la province dominicaine qui est tout près frontière avec Haïti. En 2018, la région ça a été déclarée en zone d'intérêt par la présidence et l'État a supposé en côté et a fait exploration de terre. C'est ça, moi, il y a un article là. L'État américain, en 2023, devoué une équipe d'ingénieurs, de chercheurs pour aller dans la région pour travailler avec l'autorité locale pour évaluer zone ça. C'est ça, nous lit dans l'article ça. Et ça fait, nous allons poser aux questions et on va être exposé pour nous. Qui ressources minières nous gagnons dans zone ça, dans zone ligne frontalière avec la République dominicaine? Est-ce que Haïti fait exploration et est-ce qu'il fait exploitation de ressources liées ou à fond présentation pour nous en 10 minutes de ça au sous-sourire avant de répondre à la question. Ça, ingénieur Preti. Merci pour la question. Ça va m'occasion tout pour moi comparer et potentiel minier Haïti avec la République dominicaine, qui politique que deux pays européens. Du côté dominicain, il y a accordé une grande importance à le secteur minier paysan. Parce que vous pensez que le développement au pays doit appuyer sur les ressources qu'on gagne la CAO, et particulièrement de ressources minérales qui sont sous sol. Donc, si vous accordez importance à lui-même, il faut que vous une politique pour eux-mêmes. Et politique, là, c'est à ce deux mots, exploration et exploitation. Exploration veut dire recherche. Dominicain gagne 48 000 km². Je tiens à ce que tout territoire ça, il faut explorer, il faut faire recherche pour connaître exactement ça que ça donne. Parce que l'on cherche, il faut joindre. Et là, je vois un bagage qui est important. Il faut que vous exploitez. Il ne faut pas quitter l'ensemble. Il faut exploiter. Parce que l'exploitation, ça peut générer des devises, l'argent, ça peut permettre que le fait développement pays. Donc, c'est sous base ça que la politique en chita. Donc, faut qu'on vive. Ingénieur, sous point ça. Exploitation, on dit bémol, exploitation n'est pas toujours bénéfique. Dans la mesure où, si quoi vous exploitez, et plus élevé que les ressources là, et le jeu est capable de dire le jeu par la chandelle. Non, lundi, exploitation, son décision qu'il prend, ce n'est pas le gouvernement dominicain qui parle d'exploiter, ce sont des compagnies minières, ce sont des investisseurs. Donc, ou investisseurs, ils ne peuvent pas mettre cobre n'importe quoi. Il faut que vous ayez une étude de faisabilité, de rentabilité qui montre qu'après exploration, résultat étude de montrer que son magasin qui est économiquement rentable est suffisamment intéressant. Donc, côté que compagnie a besoin de pâle, l'État a besoin de pâle, le salle est capable de mettre quoi là-dedans pour faire exploitation. Donc, exploitation, ça veut dire que des bouts disent que la gain, l'or, gain, ceci, gain, cela, nous pas l'exploiter. Okay. Non. Il faut que le baser sur des études sérieuses.
Bon, maintenant, en termes d'exploitation, bon, on va donner quelques exemples d'exploitation, côté que Dominique a avancé. Plus gros gisement l'or que nous gagnons dans l'Amérique latine, la Caraïbe là, et c'est l'exploité justement en République dominicaine. C'est dans zone qui est les Pueblo Viejo, côté que ils trouvaient à peu près 28 millions d'onces d'or. 28 millions, ça fait à peu près plus que 700 tonnes d'or. Et qui a exploité par une compagnie canadienne qui est le Barrick Gold, et qui gagne 60% de l'action. Et puis, il y a l'autre encore, tant que Gold Corp, qui gagne 40%, il y a l'autre compagnie qui est intéressée à entrer dans le barrique, tant qu'on nous montre. Donc, de 2012, il y a une réserve pour exploiter là jusqu'à 2041. Donc, il y a des milliards et des milliards qui ont investi. Et comme ça, les mêmes exploitations ça a contribué à la croissance économique dominicaine. Donc, ça, c'est un exemple que je vais. Maintenant, du côté haïtien, parce que nous avons des gisements similaires, on connaît que tout le massif du Nord là sont bandes qui minéralisées. Donc, Pueblo Viejo a rejoint la bande ça. Mais du côté haïtien, on rejoint tout des gisements métalliques d'or. Mais ce sont de petits gisements. Donc, on a parlé de 700 tonnes d'or à Pueblo Viejo, alors que du côté haïtien, c'est des gisements qui gagnent 12, 13, 13, 6 tonnes d'or. Donc, c'est recherche pour qu'il fait pour que nous identifions un gisement similaire du côté haïtien pour que nous mettions au même niveau que la République dominicaine. Maintenant, en termes d'exploration, toujours, là, nous parlons d'exploitation. En termes d'exploration, entre 2002 et 2023, eh bien, il y a fait exploration la zone et frontière là. Donc, au côté que les NEITA et restauration. Et actuellement, ils ont découvert un gisement d'or qui gagne à peu près 70 tonnes d'or et qui a pris des dispositions qu'on a là pour exploiter, le même genre que exploiter pour le Viejo. Maintenant, comme gisement, ça arrive exactement, bon, il campait la frontière parce qu'il n'est pas capable d'aller plus loin. Mais du côté haïtien, probablement, le gisement n'est pas campé la frontière, il faut qu'on station. Donc, du côté haïtien, tu as un permis de prospection qui était bail en 2013. Donc, permis de prospection permet de faire études superficielles, de faire 8 forages, de découvrir des indices d'or, de cuivre, de molybdène. Donc, maintenant, je voulais passer à l'autre phase de recherche pour faire des études beaucoup plus poussées, pour jouer une extension justement dominicaine du côté haïtien. Alors, du côté haïtien, c'est une zone qui est comprise entre la Miel et Montorganisé, en passant par Savannah Place, Grande Savane, etc., Bois de Laurence. Donc, c'est une zone qui méritait investiguer pour que nous ayons extension justement, pour que si Dominicains après exploiter justement par eux, donc si il y a des exploitations souterraines, nous que dans même entrée du côté haïtien, on va me connaître. Donc, il faut que nous connaissions exactement ça, nous, la nous, pour que nous négocions avec nous, avec eux, du point de vue de la vie. Du point de vue et exploitation, qui gens que nous fait partage là pour que chaque pays rete la limite par eux. Mais malheureusement, en Haïti, nous connaissons que depuis 2012-2013, qu'on résolution que le Sénat haïtien a été pris, côté que le témoin a été pour sur toute exploitation, permis d'exploitation qui était gagné, et qu'en plus, sur toute recherche qui est en fait. Mais ce qui fait très mal au secteur minier haïtien. Parce que depuis 2013, plus que 10 ans, pas de recherche en Haïti. Alors que Dominicain lui-même n'a pas avancé, il a fait recherche chaque jour, recherche chimique. Et plus la fait recherche, c'est plus la brune. Nous-mêmes, quand on fait recherche pendant 10 ans, nous avons besoin de nos gisements similaires dans nos là, après le Viejo, donc nous allons faire recherche. Donc c'est un handicap pour nous, parce que nous avons besoin de ça gagne tout du côté la zone frontalière là. Nous avons besoin de ça lié pour nous capables de préparer nous, pour nous. Faire une exploitation, même bien que Dominicain a fait. Bon, ça, c'est en matière de métallique. En matière non métallique, Dominicain a poussé tout. Regarde, Dominicain, il y a 5 à 6 cimenteries. Il y a exploité le ciment, il y a pompé le ciment, non seulement la caillou, mais il y a voué vendre le ciment tout côté, y compris Haïti. Consommation Dominicain en ciment, c'est à peu près entre 2 et 3 millions de tonnes par an. Donc, ils ont produit, toute usine, ça a produit plus que 6 à 7 millions de tonnes. Donc, ils ont alimenté le marché local là, et puis ils ont vendu plus à l'extérieur. Alors qu'en Haïti, nous-mêmes, nous avons entre 1 à 1,5 millions de tonnes de consommation. Donc, nous n'avons pas produit ciment depuis que le ciment d'Haïti est campé. Et c'est ciment que nous achetons à l'extérieur. Alors que recherche montre que dans tout département géographique d'Haïti, nous avons des matières premières pour nous mettre en cimenterie. Donc, non seulement nous sommes capables d'alimenter le marché local, mais nous sommes capables de faire ciment plus pour nous vendre de l'autre côté.
Donc là encore, c'est de la gaspiller parce que vos sociaux n'ont pas vraiment exploité. Ensuite, et pour l'insécurité en Haïti, un peu cramponné investisseur, parce que pour venir si go comme ça, on n'a pas sécuritaire, côté investisseur pas garanti, donc c'est pas comme ça qu'il a venu mettre. Hydrocarbures, dernière fois qu'une compagnie qui fait forage dans le pétrole, c'était dans beaucoup de carrés en 2019. Donc, il dépasse le carbone pétrole là. Il a mis 1000 mètres de forage. Mais dès qu'il est arrivé sur 200 mètres, le campé, donc il a abandonné le chantier. Donc, pas de recherche qui fait en matière pétrolière. Et tout ça a abdi sur le pétrole. Nous ne pouvons pas capables prouver. Donc, là encore, il faut que vos recherches continuent. Maintenant, un terrain rare, c'est un terme qui est à la mode, c'est aussi. Bon, terrain rare, nous pensons qu'il y a rare, mais ce n'est pas un terrain rare. D'accord, que c'est rare, tes produits. C'est plus concentration qui est rare dans le sol là, qui fait défaut. Donc, c'est des produits en terrasse qui est. Donc, on est capable de prendre un terrain rare de tous côtés. Il y a aussi abondant que cuivre, que tout autre balayeur. Mais c'est toute concentration dans le sol là qui pose des problèmes. Par exemple, pour produire 50 kg de terrain rare, il faut qu'on extraire au moins une tonne roche. Et ton ça pour extraire la donne, c'est par trempage, on mettait des solvants, des produits chimiques pour que on tire terre là. Et trempage là, donc on n'a pas qu'un déchet qui peut générer, et ce sont des déchets radioactifs qui ne peuvent pas stocker. Donc, effectivement, Dominique a fait recherche du côté des pédonales, il est possible que vous vendez terre, mais il faut que le compagnon dise exactement. Qui concentration terre là et qui quantité est-ce que l'économie pas exploitable. Donc en face pédernale ou en chapitre, il est fort probable qu'on joigne des terres rares, y compris le cerium, bon, ou son produit qui n'a pas de connaître là, mais pour venir, il faut que vous fassiez des recherches appropriées pour dire toute concentration, est-ce que l'économiquement rentable. Donc voilà en gros la situation entre Haïti et la République dominicaine. Et voilà, nous s'attendons ingénieur géologue Claude Prepty qui lui-même lui tabaille des détails en ça qui gain pour avec question ressources minières et ça nous gain dans sous-sol nous, ça nous t'est qu'à exploiter, ça qui t'est qu'à aider nous développer pays nous tout ça. Et maintenant causer pétrole là et ingénieur Claude Prepty lui fait connaître que pas vraiment gagné étude qui montre Haïti gain pétrole et tout le temps que tu viré au cap privé joindre nous mais pétrole etc. mais yo pas jamais qu'a véritablement ba une idée sur composant est-ce que c'est pétrole ou pas. Donc on pas quand si c'est jouet négo si c'est plan négo. Mais c'est ça qui fait l'IAP extrêmement important pour gagner des groupes qui viennent continuer à faire études, faire recherches sur ça nous gagner comme ressources minières importantes dans le pays. C'est là que nous mettons en boucle dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la pour vous. Restez connectés avec Chanel. Rendez-vous à dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays? Et puis, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le balai pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.